la dernière fois, dis-toi, j'avais plus rien, ça, je sais plus, c'était quand, avant-hier. J'ai lancé une liste de face-to-face. Oh putain, Sapchario était pas content. Puis il faisait vraiment sa tête de con. Il respawnait en boucle avec la vigilante pour cartonner Zala et puis je sais plus qui. Il y avait Zala, il y avait Dimu, il y avait James. Je l'ai jamais vu comme ça. Puis il insultait en brésilien et tout. Je dis, Sapchayo, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, oh, play parcours, play parcours. Je dis, mais j'en ai plus. Il a horreur des face-to-face. Pourtant, c'est marrant. Bah, franchement, quand t'es beaucoup, ouais, c'est, bah, c'est oui. Amusant. Même Saud, il aime bien. Après, c'est vrai que quand t'as des concerts, t'as des concerts, c'est chiant. Ouais. Ouais. Bah, après, c'est un peu le but d'un face-to-face aussi. Hein. Oui. Mais bon. Oui, mais t'as cancer et cancer. Ouais. Chris, t'abuses pas. Hein? Quand t'as du Andrea qui triche. Oh non, mais lui. Hein? Du super. Qui focus. Ça en fait la paire. Qui a Chris qui essaye de mettre des petits coups à droite à gauche pour te faire tomber en fudge. Non, Andreas. Mais putain, pourquoi mon jeu il freeze comme ça? Andrea, c'est vrai qu'il est chiant. Mais franchement, depuis qu'on lui a vraiment fait la leçon l'autre fois, on l'a pas revu. Hein. Et après, merde. On n'a rien contre lui, hein, comme tu disais. Hein. Ah non, il peut venir et jouer. Hein. Ouais, mais alors attends, qu'il utilise le pas. Boost et tout. Voilà. Pire, même s'il triche, c'est pas un problème, mais qu'il vient pas dire que c'est pas vrai, surtout quand on le voit faire. Bah pour ça, Balthazar, il a eu raison de le troll l'autre fois. Il a eu raison. Il a eu ce qu'il mérite. De quoi je t'ai fait peur? Non, des tours. Je suis passé trop vite, du coup j'ai fait un écart. J'allais faire merde, c'est qui est parti, mais c'est les bidules. Oui, merde, ça j'aime pas, je vais me faire avoir. What the fuck, il est sérieux là? Ah ouais, mais mec, faut pas faire des trucs comme ça, mais là on va tous galérer ici. Réussi à atterrir dessus. Et bah, je vais prendre tout mon temps. Putain, faut sauter d'un truc fin à fond et atterrir sur un truc fin. Merde, c'est qui? C'est Mario Crux. Mario Crux, il a pas l'habitude de faire des trucs comme ça. C'est celui qui fait les air-cours de la semaine. Il copie un peu le concept de Thomas, mais bon, différemment quoi. Bon, j'espère qu'il y en a que un de passage comme ça parce que c'est chaud. What? Passer des lampes? Et elle a glissé dans le dernier. Magnifique. Mais
Mais lui, ces tubes-là, ils sont pas doublés, ils sont triplés. Ils sont doublés avec des tubes normaux et il y a un troisième tube en mode néon pour faire de la couleur. Stylé. C'est préférable avec cette voiture qui glisse comme pas possible. Il est sérieux avec son boost fin sur un truc fin. Il est chaud ce point. Non, moi je l'ai eu, mais il est sérieux quand même. Bah ouais, mais le point il est chaud quand même. Je me suis repris à plusieurs fois. J'ai eu au bout de deux fois moi. Putain, au moins, je sais pas, peut-être 6 fois, 7 fois, je sais pas. J'ai bien galéré. Ça m'a permis d'échapper à Dr. Saut parce qu'il me collait au cul. Ah bah il y a encore lui le pauvre. Oh ce petit chaillot il y est même pas encore. T'as vu, ça fait stylé les tubes comme ça, hein, ça. Avec les tubes néon au milieu qui font de la lumière. Je disais, ils sont bien triplés, hein. J'avais oublié de rallumer le micro. Ah, ouais. Ah, c'est lisse de chez lisse. Du coup, là. Moi, c'est un bon créateur, Mario Pro. Regarde, même là, ils sont triplés. Hein. Ouais, là. Doublé, c'est... triplé. Non, doublé. Doublé. Ouais, doublé. Le vert, il est doublé. Ouais, ils sont tous doublés, en fait. Mmh. Ça te permet d'avoir un contour assez lisse si tu vois le live tout le temps. Encore à faire des parcours comme ça. Hein. Bon, y a rien d'exceptionnel non plus. Ça prend du temps. C'est certes, surtout. Ouais, voilà, c'est de la façon que eux ils les placent tout ça et qu'ils les mettent. Mmh. Ouais, ils ont plus tout manuellement, du coup. Bon, après c'est une question d'habitude, hein. Ça va venir avec le temps. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Oh, le parcours, ça va. Juste le banc au milieu du ciel qui fait un peu bizarre. Oui. À part le banc. Après, le reste, ça va. Bon, le wall ride, il aurait pu être doublé, mais bon, ça va, ça passe.
Merde, c'est quoi ce beans? Un peu de vitesse. Alors peut-être non, parce que t'es surbaissé, que t'as le pare-choc. Moi, l'avant, j'ai le pare-choc d'origine. Mais elle est surbaissée que niveau 1. Après, c'est vrai que mon fils y a joué avec mon compte. Alors, est-ce qu'il s'est pas amusé